toute nouvelle vidéo, et ben on va noter des highlights. Mais juste avant, cette vidéo est sponsorisée par Igral les petits potes. En ce moment, grâce à Noël, voilà, c'est Noël, bientôt Noël, le 24 décembre, les cadeaux et tout. Vous avez moins 10% de cashback. Vous avez 10% de cashback, 10% sur Igral, sur Huawei. Donc voilà, place de 2,5. Donc c'est boosté pour Noël, shopping de Noël. Donc ça, c'est vraiment des offres exceptionnelles dans l'année. Donc lien d'inscription dans la description. Vous avez déjà 3 euros gratuitement. Vous passez à 3 euros de cashback directement. Plus à chaque achat, vous augmentez votre cashback. Et après, vous pouvez le retirer quand vous atteignez les 20 euros. Donc pour aller sur le cashback, par exemple, regardez, moins 50% sur le site, voilà, directement sur Boohoo, voilà, donc différents sites, KitchenAid, voilà, donc plein de sites. Pour Samsung, on a 6% de cashback, 6% chez Darty. En gros, vous cliquez sur le cashback, ça va vous emmener sur le site de Darty et ça va vous donner le meilleur code pour avoir la meilleure réduction. Donc voilà, donc ça c'est vraiment génial. Donc ça c'est les meilleurs coupons sélectionnés pour vous, donc suivant les personnes. Voilà, si vous voulez les chercher, donc là il y a 10% sur votre commande chez Nike. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. En gros, si vous avez une commande à 100 euros, ça vous fera 10% de réduction. Donc ça vous fera 10% de réduction. Donc vous gagnerez 10 euros et les 10 euros seront aussi crédités sur votre compte Igral. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous recherchez une marque en particulier, vous allez dans catégorie et vous recherchez votre marque que vous cherchez. Voilà. En tout cas, voilà, il y a FDJ, Microsoft, Nike, Adidas, Sephora. Donc plein de trucs cashback, la bienvenue et tout. Vous avez plein de trucs gratuits là. FDJ, vous avez 7,50€ de cashback et tout. Voilà. Donc on passe tout de suite à la vidéo et on va noter des highlights. Highlight, donc on va noter les highlights sur 10, 5 points sur la qualité, le montage, etc. Voilà les effets, les transitions. Et 5 points sur le gameplay, etc. Donc on commence tout de suite avec le premier highlight. Voilà, donc lien des highlights en description, les petits potes. Donc il y a 5 highlights par vidéo. On va créer un hashtag, ce sera le hashtag LazeHighlight qui sera en description pour poster vos highlights. Comme ça, je pourrai les noter dans des prochaines vidéos. Voilà, objectif 10 likes sur cette vidéo. Lien Igral dans la description. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. 3 euros de bienvenue grâce à mon lien. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est parti. Ok, petite musique, donc petite intro, assez sympathique, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. La musique qui ambiance bien, voilà. Bon, musique copyright, hein. En tout cas, la transition est plutôt assez stylée, en rouge et tout. Donc ça c'est du montage PC. Avec des beaux petits clips, donc c'est un joueur PC. Donc si vous voulez, on pourra aussi faire des highlights que des joueurs PC ou des joueurs manettes. En tout cas, c'est hyper clean à voir. On a du bon gameplay, du bon highlight. Et le son est vraiment, vraiment clean. Hein. La musique et tout, elle met bien. Hein. Une petite map edit qui fait plaisir avec le petit kill par derrière. Il y a pas mal de clips en arène late game, on peut voir. Il se fait des petites map edit tranquilles pour faire les kills, c'est plutôt pas mal. Avec les transitions qui sont assez stylées, donc ça c'est Marc De Puntos. C'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est clean. Donc c'était plutôt pas mal, voilà. Donc là, on va passer au deuxième highlight. Donc là, on met en pause. Donc une petite note sur effet transition. Franchement, c'était clean, c'était propre, c'était beau, les petits effets et tout. Donc je mettrai la note de 4,5 sur 5. Et pour les clips, franchement, c'était clean aussi. Donc c'était plutôt pas mal du tout. Donc je mettrai aussi la note de 4,5 sur 5. Donc un 9 sur 10, c'est vraiment... Bah plutôt pas mal, c'est plutôt un très très bon highlight. On passe directement au deuxième highlight. Donc c'est un joueur manette. Il doit faire ses montages sur chaque factory. Donc les clips ça va, après la musique pour highlight c'est pas la folie. Hein.
Après, il a des petits clips et ça passe. Après, effet, transition, il n'y a pas grand-chose. Ok. Ok, bah en vrai, c'était plutôt. Enfin, c'était un bon highlight, mais il n'y avait pas trop d'effets, transition. Et la musique ne donnait pas un rythme pour la vidéo. Donc, c'est un peu dommage. Donc, pour les clips, je mettrais un 4 sur 5. Et sinon, après, pour effet transition de la light, je mettrais un 2 sur 5 parce qu'il n'y avait pas d'effet de transition. Alors qu'on peut en faire avec Shark Factory, la musique n'était pas. Bah, on ne rentrait pas dans le thème de l'highlight de Fortnite, etc. Donc ça fait un 6 sur 10, donc ça passe encore. Il y a la moyenne. Donc là, highlight 18 secondes, donc vraiment ça c'est des highlights courts. Il faut que votre highlight fasse au moins 1 minute 15 approximativement, 1 minute 30, 2 minutes maximum. En tout cas, le son il est pas mal. Ok. Ok, donc là on a eu un petit ralenti, donc ça c'est bien. Ok, il met des petits effets ralentis sur les clips quand il les kill. Ok, donc ça c'est bien. Donc c'est en fait c'est assez court, il y a 3 clips. Donc niveau clip, il n'y a pas beaucoup de clips. Après, ils sont bien, donc je mettrai 3 sur 5. Effet transition, il y a un petit ralenti, tout. Il pourrait mettre un petit effet, rajouter des effets. La musique est bien. Donc là, je mettrai un 3,5. Donc ça fait une petite note de 6,5. Si j'ai dit 3,5 au début. Ça fait 6,5 sur 10. Donc ça va. Donc là, on a un highlight de 1 minute 09. Donc c'est parti. Ok, stylé la musique. Ok, oh, c'est plutôt pas mal. C'est un joueur PC. Après, il y a quand même du créatif, beaucoup de créatif, donc ça c'est dommage. Faut mieux faire des games en arène, en late game, des trucs comme ça. Comme ça, vous êtes des vrais joueurs que quand vous êtes en crève, vous pouvez dire à votre mate ce qu'il doit faire, en gros pas bouger et tout. Donc c'est un peu dommage, après on dit pas que c'est nul, mais voilà. Préférence de l'arène, etc. Et bon petit clip. Le son est plutôt pas mal. Les effets sont pas aussi bien que le premier, mais en vrai ça passe. Il y a des petits ralentis. Après, il y a énormément de créatifs. Enfin, il y a la moitié de créatifs, on peut voir les trois quarts. Après, il termine sur une mort, c'est pas le meilleur truc. Donc sinon pour les clips je mettrai un 3,5 et après pour le montage et tout je mettrai aussi un petit 3,5 sur 5. Donc ça fait un petit 7 sur 10, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant la meilleure note c'est 9 sur 10, le premier highlight. Et là je crois on passe sur le dernier highlight. Donc c'est parti, let's go les potes. Hein. Ok, du créatif. N'hésitez pas, code créateur LazyX du bas dans la boutique du jeu Fortnite, à me soutenir pour nouvelle saison. Hein. Ça fait toujours plaisir. Ok, donc ça va. Les clips sont pas mal. Hein. Il y a du niveau. Il y a des petits ralentis, donc c'est clean. Ok, donc pas mal la musique, pas mal, pas mal. Le petit 1v2. Ok. Ça passe. Il reprend la hauteur, ok, nickel. Oh, la grosse balle là. Un joueur clavier-souris. Donc là, on a de l'arène, donc ça, c'est clean. Il y a de l'accéléré, donc ça c'est pas mal aussi dans le montage. On a encore de l'arène, donc c'est parti. Ok, grosse balle là. Peut-être le 1v2. Ok, j'ai mode GG. Hein. En vrai, il a un bon aim hein, pour un joueur PC clavier souris.
Des grosses balles, hein. Ok, en vrai c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du montage, il y a beaucoup de grosses balles. Ok, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Il y a pas mal de... Il y a quand même du créatif. Mais sinon, il n'y en a pas de trop, donc ça va, ça va. Ok. Donc je mettrai une note de 4 sur les clips, voilà. Et une note de 4 aussi, 4 sur 5, sur le montage, etc. Voilà, il y a plus de transition de tête en tout cas. En tout cas, le premier avec le montage des effets était vraiment magnifique. Donc là, peut-être plus d'effets tout sur les clips. Mais sinon, en général, avec la musique et tout, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc ça fait une petite note de 8 sur 10. Voilà. Donc si vous voulez que je note vos highlights dans le prochain épisode, voilà. Objectif 10 pouces bleus. Lien écran dans la description, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et puis voilà, donc hashtag LazeHighlight pour que j'aille voir vos prochains highlights. Voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était LazeX, allez, ciao!